Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle série. Ce sera une mini-série parce que c'est un tout petit jeu. Bienvenue sur One More Dungeon, un jeu qui est sorti aujourd'hui même, donc le 23 novembre. Il est sorti il y a, je crois, même pas une heure. Mais j'avais repéré le jeu il y a quelques jours, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa. Ça a l'air d'un jeu qui mélange Doom et Binding of Isaac. Donc deux jeux que j'adore et donc ça a l'air super sympa. C'est un jeu qui a été fait par apparemment Maxime Pereligin et Dimitri Karpoy. Ça a l'air d'être un jeu russe. Mais bon. J'ai fait une toute petite partie pour essayer, ça a pas l'air facile du tout. Donc on va essayer. Je vais probablement mourir très vite, donc je vais probablement faire un ou deux essais aujourd'hui. Et si la série vous plaît, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres épisodes. Mais ce sera avec plaisir. Ça a l'air vraiment d'être un petit jeu qui est super sympa. Donc on va démarrer tout de suite. Alors. Apparemment, donc, on peut sélectionner des options quand on commence cette partie. Moi, j'ai un score de merde, donc je peux pas. On peut commencer avec plus de vie, avec plus de potions, avec plus de cristaux. Je sais pas ce que ça fait, les cristaux. Hein. Ça, c'est la portée qui est réduite, mais alors de quoi, je ne sais pas. Les niveaux sont plus grands. On change les couleurs, plus d'ennemis. Alors ça doit être une erreur, ça doit pas être maximum, ça doit être minimum, avec le moins de, avec le minimum de vie. Et toutes les 30 secondes on perd un point de vie. Ça doit être super sympa ça. Donc j'ai pas de points donc je peux pas faire. Donc on va commencer. Voilà. Ah c'est ultra minimaliste, hein, c'est ultra carré, ça fait très très bah très très comment. Jeu 8 bits, 16 bits, tout ça. Ça se joue qu'à la souris clavier. Y a pas d'option, j'ai l'impression, pour jouer à la manette. Donc, bon, c'est pas grave, hein, après tout, c'est super sympa aussi comme ça. Là, je vais essayer de... Là, il y a une porte. Là, il y a une autre porte. Alors, c'est du random, hein, c'est-à-dire qu'à chaque partie qu'on commence, c'est le monde est complètement différent. Et pour se repérer, en faisant tab, on a la carte. Donc là, les points bruns, c'est les caisses. Les points verts, c'est les portes que j'ai pas ouvert. Et si j'ouvre une porte... Non... Normalement, voilà, elle disparaît. Donc on va aller par là. Là, il y a une pièce. Alors ça, je sais pas ce que ça fait encore. Je sais pas si c'est un score, si c'est pour le marché, si y a, je sais pas, s'il y a un shop, une boutique. Voilà, chercher le mot. On va aller par là. Oh, mais il y a une autre porte. Et donc apparemment, il y a plusieurs donjons. Oh, tiens, il y a une chauve-souris là. De la buter, elle a l'air coincée. Voilà. Oui, alors, donc, clic droit, c'est l'espèce de dague là que j'ai dans la main droite, et main gauche, c'est le bâton qui lance des sorts de magie. Donc, ça fait penser à la toute dernière mise à jour de Minecraft, où on peut enfin avoir quelque chose dans chacune de ses mains. Puis là, j'ai l'impression d'être un peu coincé, j'ai vu qu'il y avait une porte ici. Wow! Voilà, on va faire un comme ça. Là, il y a un ennemi. Wow! 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 Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il va me tuer! Alors, un. J'ai pris une potion. Je sais pas ce que ça a fait. Ah! Deux. Une aïe. Ah, ça doit être mieux ça! C'est une hache. Ça doit être mieux une hache. Non? Ça fait quoi? Hein? Je crois que j'ai tué en fait l'ennemi qu'il fallait. Le boss du... Le problème c'est que ça a pas de portée. La hache, elle a pas de portée donc... C'est pas facile. Là-bas il y a une espèce d'hamster. Alors je pense que je peux... Oh là là. Je crois que tu... Non. Je pense que tu peux rentrer... Tu peux les avoir par surprise. Ça t'arrive doucement. Mais là, le mec... C'est juste pas la peine.
Oh, allez, comment je t'ai défense. J'aime beaucoup, je trouve ça sympa. Un ratata, merde. Oh putain. C'est pas vrai, il meurt pas. L'arme au corps à corps, ça a pas l'air extraordinaire hein, pour l'instant. Alors, là je suis complètement pété. Je suis complètement coincé, je sais pas où il faut que j'aille. Après ça, je pense que là, juste en dessous de moi, ça va être des pics. Oh! Merde, j'ai pas la clé. Hein? Besoin d'une clé. Là, je peux pas pousser. Là, déjà, je suis allé plus loin que ma première partie, donc... C'est cool. Bon, apparemment, il n'y a rien, hein, ici. Hein. Donc ça, c'est le coffre. Mais j'ai pas de clé. Donc on va aller vers l'autre porte. Un cul-de-sac. Génial. On peut pas sauter non plus, hein. Faut dire qu'en même temps la tête elle doit taper le... de toucher le plafond. Donc je vais aller me diriger vers l'autre porte que j'avais repérée. Et espérer qu'il y ait quelque chose de l'autre côté. Wow! Punaise! Je prends vraiment des dégâts de manière débile. Mais bon, c'est purement le genre de jeu où faut mourir et faut apprendre à chacun de ses essais comment faire. Ah, peut-être que je peux la casser. Ah, ça se casse. D'accord. Alors, est-ce qu'un coffre, ça peut se casser? Oh. Ouais, là j'ai géré là. Eh, c'est un sacré bordel ici, hein. Bon, là y a rien. Wow! Je sais pas ce que c'est les espèces de monstres là qui vont en fait. Yes! Font peur en fait. Bon, ça va. Oh, c'est quoi ça? Je pense pas que je puisse le péter, ça a du métal. Là, il y a quelque chose, là, par contre. Même pas, genre, il y a rien. Je cherche un peu, hein. Franchement, là, je regarde un peu partout. Ça, ça a pas l'air de se casser. Ah! Non, il y a rien. Wouah! D'accord, puis il y aura des ennemis dans les caisses! Ah, puis alors... Wouah! Ils foncent de... Saleté de bestiole. Alors, je vais retourner là où il y avait du bois, parce que ça avait l'air d'être... Hein? Je peux rien. Non, je peux rien faire de ça. Ça se casse? Par quoi l'air? On est d'accord, hein? C'est quand même un sacré niveau hein, pour le niveau 1. Ah, il y a une porte en bas. Mais oui, il y a une porte en bas. Purée, bon. J'ai pas encore fait là-bas. Alors, je voudrais juste retourner là où il y a du bois. Donc, c'est par ici et ensuite par là. Ça va, la carte, c'est assez pratique. Franchement, c'est bien. J'ai pas la clé, genre. Donc, est-ce que ça se casse? Ça a pas l'air. Y'avait pas une boîte qui gênait le passage ici? Y a des trucs aussi. Ah, oh, 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 un antidote. J'ai récupéré le... Oh, j'ai augmenté ma vie. Oh, c'est cool ça. Ah ouais, non, ça c'est cool. Je suis en train de découvrir plein de trucs là. Une potion de santé. Ça c'est bien, ils sont coincés. Ok. Ça doit bien pouvoir se casser, non? Bah oui. Du coup, je suis où? Oh là là! Je suis complètement paumé.
Donc ça j'ai fait, ça m'a donné 2 points de vie en plus. On va aller par là. Y a rien. C'est cool. Ah, un ennemi. Peut-être devoir utiliser ma potion de santé, c'est ça qui me saoule un peu. On va le faire. Ah, ça rend 5 points de vie, ok, bon bah. J'ai bien fait. Hop. Je sais pas aussi si les sorts de magie, si on peut les changer, et si oui, comment. Parce qu'il y a les trois cristaux en haut, je me demande si c'est les sorts de magie. Et donc je me demande s'ils peuvent se changer. En tout cas, c'est... Oula! Ah, un portail! Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. Est-ce que ça se casse? Non, ça n'a pas l'air. En tout cas, c'est très bizarre comme truc. Il n'y a rien. Il y a encore une salle. Je vais passer par le portail, je pense. Quitte à prendre un risque. Oh là là. Ah, puis je gâche un sort de... Attends, ça m'intéresse juste. Oh. La sortie. Ah, je peux pas passer par là. D'accord. Bon, ça permet quoi la sortie? Que j'ai fait? Niveau 2. Ah. Puis j'ai eu un succès. Bon. Non, paratata! Paratata! Oh non! Wow, c'est quoi ça? Wow! D'accord. Oh vache. D'accord. J'ai la tête de mon bonhomme en bas à gauche. Il est mort, le gars. Oh là là. Alors. Wow! Oh là, je suis mort. Oh là là. Oh là là. Bon bah, je crois que ça va s'arrêter là. Putain, il tire des trucs en feu en plus! Tu vas voir que je vais plus avoir de magie. Mais oui, j'ai plus de magie! C'est génial! Ah là, je suis mort. Ah punaise! Bon. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je tente une deuxième partie? Oh, je sais pas. Non. Non, je vais juste... Non, allez. C'est... Vraiment, pour un premier épisode, je fais juste une partie comme ça. Donc voilà. C'est le principe du jeu. Je pense que on peut aller beaucoup plus loin que ça. Je suis quand même mort qu'au niveau 2. Donc, mais ça a l'air franchement sympa. Donc, si vous êtes intéressé, le jeu est sorti sur Steam aujourd'hui, donc hier pour la vidéo. Il est à même pas 5 euros et en plus il y a 10% de réduction jusqu'au 30 novembre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur le jeu là, dites-le moi dans les commentaires. Moi ça me fera très plaisir. Au pire, je pense, bah, si ça vous intéresse pas, je ferai des vidéos pour. Enfin, je. Je ferai des vidéos pour moi. J'ai ça à foutre là. Je jouerai de mon côté parce que franchement c'est un petit jeu qui est super sympa. Donc voilà, c'était One More Dungeon. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine tout le monde. Salut.